On va donner donc le micro à Jacotte Brasier, si on peut juste désinfecter, parce qu'on aimerait entendre, bien sûr, Jacotte Brasier. Alors, devant des plaques de ravioles qui ne sont pas cuites, donc c'est compliqué de s'extasier sur un produit qui est effectivement, quoique, la raviole de la mère Maury qui a effectivement été distinguée, est différente. Et pour vous, ça vous a marqué? Absolument. C'est celle qui avait le goût de mon enfance. C'est ce mélange de fromage et d'herbes et d'épinards. Et surtout, je ne suis pas sûre que celle de la mère Maurice soit avec du comté. Je ne pense pas que ce soit aussi important, que le comté est peut-être quelquefois trop fort. Sans dire de bêtises, je crois qu'il y a une IGP avec du comté dedans et du persil, mais je ne sais pas laquelle a eu l'IGP. Mais effectivement, je crois que dans la recette, dans l'IGP, il y a du comté. Parce que celle qui a eu qui était le numéro 1, c'était aussi le numéro 2. Et le numéro 1, comme nous disions tout à l'heure, l'intérieur était beaucoup plus épais. D'accord. L'intérieur était beaucoup plus... la pâte elle-même était aussi bien de qualité, les unes que les autres. Et celle qui a gagné, vous aimeriez la manger comment? Comme ça ou avec un peu de crème, d'autres choses? J'aime les manger comme ça. Ouais. J'aime les manger comme ça. À la limite, j'entendais tout à l'heure, quand on était en train de déguster, il disait, tiens, on aurait pu mettre des truffes, peut-être. Mais à part ça, je trouve que ça peut être à ce moment-là, si c'est accompagné, par exemple, si les ravioles sont accompagnées d'une viande ou de quelque chose, là, on peut se permettre de goûts différents. Mais une raviole nature, et en plus de ça, il y avait juste l'eau qui était salée. Et moi, ça a été parfait parce que c'était très, très, très bien assaisonné. Ça ne manquait pas ni de sel. Et de toute façon, je ne rajoutais rien. Vraiment, en tout cas, bravo pour le numéro 2. Eh bien, merci beaucoup, Jacotte Brasier. Je vais vous laisser reprendre le micro pour le donner. Et évidemment, en conclusion, à Marc Esqueré, comme vous le voyez, on prend évidemment les précautions nécessaires. Je rappelle que le restaurant n'est pas ouvert. Il a été uniquement... ouvert ses portes pour cette grande dégustation. Marc Esqueré, quelle ode aux jolis produits. Et évidemment, Marc Esqueré, quelle sera la prochaine ville étape de ce Tour de France? Je vais juste vous démasquer. Alors, où est-ce que vous allez aller après? Je vais vous faire saliver. Lyon, c'est une merveilleuse terre de gastronomie. La prochaine fois, on va aller en Bourgogne. Je pense qu'on va se régaler aussi du côté de Dijon. Il y aura quelques beaux accords à faire. Mais la plus belle ville, ça a été Lyon, quoi qu'il en soit. Ah bah évidemment. Nous ne sommes pas de mauvaise foi. Non, non. En toute objectivité, on sait déjà que la plus belle dégustation, c'était ici. Eh bien écoutez, voilà. Saluez de notre part, bien évidemment, les Bourguignons, après les Alsaciens, effectivement, les Lyonnais, et très bientôt, donc cette troisième grande dégustation en Bourgogne, à Dijon. On connaît les produits ou pas? On peut les annoncer? Non, on n'a pas encore. Mais je voulais quand même conclure en disant que je remerciais beaucoup les Lyonnais, et particulièrement les Toques Lyonnaises, et Jacotte, bien sûr, pour avoir très, très bien réussi cette belle manifestation qui, je pense, fait vraiment honneur à la région. Et pour Goemilio, c'est extrêmement important d'être en action et en symbiose parfaite avec les acteurs de la gastronomie régionale. Merci Christophe, merci à toutes les Toques Blanches. Merci Marc Esqueré, merci à vous tous, merci aux nombreuses personnes qui nous ont regardés sur les deux pages de Goemilio et celle des Toques Blanches, et à très bientôt. Évidemment, un grand soutien à tous nos restaurateurs à qui on pense. On a beaucoup parlé de produits, mais on est là aussi pour les restaurateurs. À bientôt, au revoir.